Web YouTube, j'espère que vous allez tous tranquillement bien. Bon, ça va impeccablement bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci l'event de Pyrobut vient d'arriver. J'ai testé ça en ligne, forcément en plein live. J'ai essayé avec trois collègues à moi et il est extrêmement dur, même s'il y a des méta qui commencent à se jouer comme Flagados, Cleopsytra, Azumarill, etc. Il y a pas mal de méta qui commencent à jouer de ce côté-là. Du coup, faut voir. Moi, je suis resté sur Azumarill qui est pas mal. Malheureusement, elle fait pas tout. Malheureusement, elle fait pas tout et le Pyrobut lui roule assez vite dessus. Mais j'ai vu que le Flagados a l'air très bon. Du coup, faut voir. Donc, le raid est devant moi. Du coup, on va essayer de donner quelque chose potable, etc. Du coup, je vais essayer de trouver des parties comme je peux, essayer de faire des bonnes choses. Sur ce, je vous dis à de suite. Ok, bon, j'ai trouvé une game avec 4 personnages qui sont très bons dans la moyenne, surtout pour cet event. Karmadura, moi j'ai Azumarill, Cleopsytra et Flagados. Alors, on verra ce qui se passe. on verra ce qui va se passer. Alors, pour le Flagados, c'est une longue histoire parce que ça parle beaucoup en disant qu'il est capable de one-shot le Pyrobut. Ça reste à voir. Est-ce qu'il faut le laisser taper en premier? Je sais pas. On va laisser ce setup et parce qu'il peut prendre machination, force ajoutée et quelques attaques. Qui fait que ça peut faire très mal pour le Flagados qui est carré d'ailleurs. Ok, il y a deux shiny. Alors, Gonflet, forcément, cela ne m'étonne pas. Il faut attaquer, bien sûr, forcément, sur le spécial pour Pyrobut, forcément. Après, Cleopsytra, qui est très bien par rapport à son talent. Du coup, je vais commencer à faire abri, essayer d'économiser un peu les... pour économiser un peu les attaques que je peux me recevoir. J'ai pas réellement changé les attaques par rapport au Dracofeu. Mais le Azumarill il fait toujours son effet. Je vais quand même faire anneau hydro. Ok. Je vais refaire abri. Pourquoi? Ah, je suis brûlé. Pourquoi? Parce que j'essaie petit à petit de faire gaspiller des PP comme je faisais avec le Dracofeu. C'est à peu près la même strat. Et là, bon, on se fait soigner dans tous les sens. Je ne suis plus brûlé normalement. Je vais faire cogne au bidon. Je vais profiter. Ok, bon, pour l'instant, le Pyrobut il ne fait rien. Je suis en même temps en train d'observer les attaques qu'ils sont en train de faire parce que je suis curieux parce que le Pyrobut il est vraiment très très fort. Ok, alors, le Flagados qui essaie de faire machination. Il y a le Karmadura qui est en train de se setup petit à petit. Moi je vais refaire abri histoire de regagner par rapport à l'anneau hydro. Je vais laisser le Flagados se setup et attaquer. Ok, je suis full life malgré que j'ai fait mon cogno bidon quand même. Il y a une bonne team qui soigne, ça soigne pas mal par là. Je vais donner de l'attaque à l'équipe. Le Flagados qui a réussi à one shot. Oui. Si j'aurais attaqué, que j'aurais laissé le bouclier. Enfin, que Pyrobut aurait fait apparaître son bouclier. Là, ça aurait été autre chose. Là, j'ai été assez observateur sur le combat. Et j'avoue que Flagados là. J'avoue que Flagados là a assez bien retourné le game sur le Pyrobut. Je vais le mettre dans la Honor Ball. Mais j'avoue que sur le coup, Flagados, GG. Alors là, forcément, GG ce Pokémon. Je vous le conseille, forcément. Bon, comme vous l'avez vu, je vous le conseille, Flagados. Avec, bien sûr, Cleopsytra, qui peut très bien réduire tout ce qui est attaque. C'est un très bon soutien. Karmadura, en soi, qui peut faire feu follet, etc. Qui peut être un bon soutien. Et Azumarill.
forcément qui est là, qui se set up au cas où, qui est vraiment là en cas de réserve. Mais j'ai mon patch au talent, je le voulais en plus. Mais en tout cas, voilà, moi pour cette vidéo, c'est terminé. Flagados, voilà, les gars, Flagados. Pensez-y, on verra qui sera le prochain starter. Bien sûr, faudra attendre que Pyrobut revienne pour pouvoir enfin avoir un autre starter dans les raids. Et comme par hasard, ça va être un starter que j'ai déjà en shiny dans le home. On verra, enfin bref. Je pense que c'est tous les mois, une fois par mois, qu'ils mettent un starter, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il faudra attendre un bon mois pour pouvoir enfin avoir un autre starter. Voir qui ça sera. Mais en tout cas pour Pyrobut, vraiment prenez Flagados. Et essayez d'avoir quelqu'un avec vous, que vous connaissez ou quoi, qui peut vous aider avec Cléopsytra, qui peut être très utile. Moi en tout cas je vais continuer à farmer un peu. Je vais continuer à farmer le Pyrobut. Je suis à deux doigts de me faire un Flagados strat juste pour le raid. En tout cas voilà. Surtout, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien. Je vous fais des bisous, bye!